Les 73-51, les stations en fréquence de la part de Dindy 33 du plus haut du pont d'Aquitaine. Côté circulation, c'est tout cuir rond dans les deux sens. Ouais, tu rigoles ou quoi? Ben non, je suis en plein dessus là, et ça roule très bien. C'est normal, on va pas faire la vie chez Ludo. Ouais, je vais mettre les bagnoles, parce que je suis plein de gens. Attends, je ferme les fenêtres, hein. Putain, il fait chaud là-dedans. Tu disais, les 73 du dos. Bah, je disais que je sais où sont les bagnoles, moi, parce que je suis en plein dedans dans les bouchons, là. Elles sont en train d'essayer d'arriver sur Bordeaux sur la rocade, là, sur l'autoroute. Ah oui, côté péage, de ce côté-là, bah, tu m'étonnes. Oh, ouais, je sais, c'est le merdier là-haut, ouais. Ah ben, j'en sais quelque chose sur plein de temps, puis pas plus en recueillir, mais je pense que j'en ai encore pour un bout de temps. Bon, ça va bien, toi, tu retournes du boulot, hein? Ah, j'y vais, j'en reviens, j'y retourne, et j'attaque toute la semaine comme ça, au boulot. Je te dis pas quand ils vont ouvrir les yeux, là, sur le nombre d'heures que j'attaque. Ils vont être fous, ils vont être malades, ils vont disjoncter. Bah, faire les vacances, c'est bien. Ah non, je suis pas en vacances, loin de là. Non, mais quand t'as des gens qui partent du principe faut travailler, oula, c'est pas pour moi ça. Eh bien, du coup, eh bien, c'est les autres qui ont envie de bosser, qui font des heures. Mais là, sur le coup, j'en profite de ce côté-là. Eh ben ouais, il faut bien que t'arrêtes de où, hein, c'est le problème. Hein. Et puis, c'est bizarrement, c'est souvent les mêmes, hein, tu remarqueras. Ouais, je sais bien, mais bon, tant qu'il y a à prendre, je prends. Hein. Après, on verra. Ah, bah, ben, si il y a des fois en face, t'as raison. Hein. Bah, de toute façon, ils me les payent, hein, et bien entendu, hein, c'est pas du gratuit. Hein. Ah, ben, ça va, c'est sûr, alors, pardon. Et ben, ouais, en tout cas, merci pour les approches de la route, ça fait plaisir de savoir que c'est pas du gratuit. Et là, pour le moment, on a essayé de sortir de ton route, c'est idiot, on aurait dû rester sur l'autoroute, mais bon, tant qu'on n'était pas sorti, on ne pouvait pas savoir. Ah, je suis trois coups. En tout cas, du côté Bordeaux, ben, l'orecade Est, puisque c'est là que ça te concerne le plus, roule bien. Je n'ai rien vu de spécial de ce côté-là, donc là, puisque bon, tu sais d'où j'arrive, pour moi, là, j'ai eu aucun problème sur la route. C'est pas beau, hein. C'est vraiment pas beau. Hein. Et là, on est en plein dans les petites routes là que je connaissais pas. Et que, tu vois, j'ai tout le temps de la connaître là maintenant. Oh, ça bon, bref. Ouais. Peut-être à repartir du côté de Salvez. Mais on est tous pas moins bordé de ce côté là. On va réfléchir à ça, il y a l'intersection tout à gauche, ça fait 30 ans. Ah, je suis trois coups. Excellent. Là, tout à l'heure, je sais pas si tu étais en QS avec lui, là j'ai entendu Joël, plus d'autres stations. Alors à deux reprises, j'ai voulu prendre le micro. Premier coup, j'entends Joël, Vega 33, voilà. Dire comme ça qu'il allait tendre le linge, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Je l'aurai plus tard. Je suis monté un petit peu en sucre pour voir ce qu'il y avait. Ça parlait espagnol de tous les côtés, j'ai rien compris. Je suis redescendu, je l'entends à nouveau. Et ce coup-ci, je l'entends dire qu'il faut qu'il aille faire la cuisine. Ah, bah, je me suis dit, bah, merde, bah, c'est pas grave. Et ben, j'ai attendu d'être sur le pont, là, en fin de compte, pour faire mon petit truc habituel, envoyer le bonjour à tout le monde, et puis c'est voilà, c'est sur toi que je tombe. Eh ben, t'as bien raison, je vais faire ton bonjour, hein. Là, ça devait être moi tout à l'heure, parce que, effectivement, j'ai eu deux jeux tout à l'heure en fréquence, dont Vega. En tout cas, ça me parle. Et puis, on parlait de cuisse, voilà. T'as entendu ça, mais on parlait de cuisse. Je suis parti direct au Salvez. Je vais faire une heure. Tu m'étonnes, putain, là je viens de tomber en plein dans les QRM, là je t'ai perdu là. Ah bah tu vas pouvoir lui serrer la paluche puisqu'il habite là-bas. Ah chier.
Ok, bon ben là je suis complètement noyé dans les QRM. Je sais que la suite, là j'arrive à la sortie Bruges, sortie 6. Bon, je sais qu'après ça va être saturé de QRM aussi. Donc pour où j'étais encore, n'ayez pas tous en 13, 51 à toi, bon retour à toi et rentre bien sans accroc. Là pour ma part, je m'en vais sur Mérignac. Comment te dire ça? Je vais aller me peinturlurer. Voilà, là où je vais passer la nuit. Hachi. Allez, les 73 à toi, merci pour d'avoir répondu. À plus. Ok, merci, bye. Les 73, 51, les stations en fréquence de la part de Dundee 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation sur le pont, c'est tout cuiro. Un peu plus loin, direction de Mérignac, ça bouchonne. Attention à la belette pour Dundee 33 qui t'appelle. Ah ben ils sont tous en vacances. Ouais, ils ont bien raison. Pour ceux qui sont en écoute, alors dans le sens nord-sud, là sur la rocade rive droite, sens intérieur, quoi. Là ça bouchonne, on est à l'arrêt. Ah, moi j'adore, ouais. Les mecs ils changent de voie, ils sont prioritaires partout. Ça regarde même pas dans les rétros, ça se lance comme ça, pof. C'est aux autres de faire attention. Hachi. Et quand deux font pas attention sur la route, qu'est-ce qui se passe? Je laisse deviner. Attention, V43 pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, la belette ou Delu 33 pour Dundee 33 qui vous appelle. Ah bah, il y en a qui sont pas matinales hein, ce matin, il est déjà 8h pourtant. Bon, bah, les éventuels écouteurs. Et il y en a, j'en suis sûr, les 213-51 vous, de la part de Dundee 33, bonne journée. Et c'est là qu'il y en a un qui répond. Ou pas.
traversais les couilles du monde. C'est-à-dire, tu partais de Plymouth pour embarquer à Poole, d'un gré. Mais monsieur, là, les heures, on s'en fout. No problem, ok. Tu enquilles derrière et on fera peut-être ta coupure avant de prendre le bateau, monsieur. Ah, d'accord. Pour lancer la poche, hein. Là, c'est normal. Toute la journée ici. Ah, si elles y sont, mes deux petites cannelées là, elles sont mignonnes, je les ai vues hier matin. Ah oui, donc c'est pas pour les cannelées, on a bien compris alors. Ah, hier c'était pour les cannelées, hein. Elles sont où? Ah, ben bon, je vois le café. Ça a ouvert, mais. Faut qu'on rachète, moi, je sors du remarronger avec, apparemment c'est pas trop mal comme truc. Mais ça va bien avec beaucoup de choses, hein, ça va bien. Ouais, bah quand tu sais que t'as... Bah la piste un peu blanc et rouge, t'as ma copine, c'est pas loin, nos gens et post-siècle. On avait fait une soirée ça, avec une boîte de cannelé, qui m'a dit, ah, oh, c'est quoi ça? J'ai regardé, pardon, bah ouais, c'est quoi ça? Bah des cannelé, ah ouais, t'habites là, tu connais pas, au secours. Ah oui, nos gens, c'est à côté de Brad, ouais. Et l'autre, elle connaît pas les cannelés. Bon, ok, il faudrait sortir un peu du week-end. Ah, regarde mon frère, il y a son panneau électronique. Magasin direct d'usine. Ah, mon frère, ça change. Ouais, les promos, on en profite quand, nous, non? De la paix, de matin, ça, ça toujours les promos. Mais qu'est-ce qu'il paye, la promo est jouée. Allez, ah, et puis vous achetez, quoi. Eh bien, c'est bien calme aujourd'hui. Prends pas un coup de touriste. J'aurais envie de dire touriste. Sur plusieurs canaux comme ça, tac, mais bon, c'est dans l'ensemble, c'est assez calme.
Salut. On dirait les Italiens, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, sur ce point, je me pose la question. Bon, on essaie sur le 5 sup, mais est-ce qu'il se lâcherait pas aussi sur le 5 normal? Plusieurs fois, j'ai pu remarquer ça. Coïncidence ou pas, je sais pas. Au moment des Américains, ils n'entendent pas. Alors là, c'est leur cours de récréation. Tout est permis dessus. Alors beaucoup se plaignent des Italiens, là, c'est leur canal, sur leur canal habituel. Mais les Américains, c'est pire. il y a des vidéos qui traînent sur Internet, tout ça. Il vaut mieux pas traduire. Ah, le plus drôle, c'est qu'au milieu de tout ça, là sur leur canal 6, il y a des boutiques, c'est Bishop, qui viennent faire leur pub dessus. Et c'est vrai que les Italiens à côté, c'est des cadeurs. Hein. Eux, ils font mumuse avec leur chambre déco et puis c'est tout. Hein. Je vais les voir sur le 5 sup. Ouais, ça commence à arriver. Ah, il est 8h25. 8h25 du matin. Ah, si on les entend comme ça, ça veut dire... Ça veut dire que la propagande est en train d'arriver. Je suis quand même sur le sud-ouest de France, hein, du côté pas loin de Saint-Émilion. Hein. Quoique, avec toutes les villes qu'on voit autour, je pense que je pourrais être ailleurs. Bon, d'accord. Alors, si la propagande... Voyons du côté de la BLU. Ah, c'est encore timide là. Ouais. Là, c'est pas la même propague et elle est pas là pour le moment. Pour ces modes là. Radio Corona y
Any RT bearing contacts on this channel, over the window.